Yahoo et dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo crash test et on va tester ensemble les tomes 1 et le tome 2 du manga Tombé du ciel. Le manga Tombé du ciel est un manga des éditions Meiyan, c'est un shonen. Nous sommes sur une série qui est terminée au Japon en 20 tomes. La série donc vient juste de sortir en juin pour nous en France, juin 2020. La série date de 2007 au Japon. Et nous sommes dans le genre comédie et fantastique. L'œuvre est âge conseillé aux 14 ans et plus. A savoir que apparemment, vu que j'ai aperçu que pour la sortie du tome 3, il y aurait 3 et 4 en même temps, je pense qu'une fois de plus, Meiyan va nous proposer du coup des sorties à chaque fois de 2 par 2 au niveau des mangas, un peu comme ils ont fait pour pas mal de leurs séries où ils sortent finalement pas un tome tous les 2 mois, mais plutôt 2 voire plus. Donc je trouve ça très intéressant parce que comme la série est quand même en 20 tomes, ça permet qu'on n'ait pas trop longtemps non plus pour l'attendre. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai su apprécier. Donc, je tenais à le mettre en avant au niveau de l'intro. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que dans l'ensemble, je les ai énormément adorées. Et tu vas voir que le seul truc que je vais avoir à reprocher est tellement minime qu'en fait, je n'ai rien à reprocher. Pour ce qui est des illustrations à l'avant, je les trouve magnifiques parce qu'on a justement notre personnage principal. J'ai perdu son nom. Icaros, je pense que ça se dit comme ça. En tout cas, je trouve les illustrations juste magnifiques. Le fond blanc est parfait, l'illustration, les positions sont divines et on tombe très facilement sous le charme du personnage principal. Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait une ressemblance, mais c'était pas tout à fait pareil. Je m'explique. Donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le petit détail, c'est que Tombé du ciel avec ses ailes est en une matière brillante, ainsi que le nom qui est écrit en dessous, qui est le nom en fait de l'anime, mais le nom de l'auteur et le numéro 1 ne sont pas en matière brillante, ce qui est un petit peu dommage, je trouve que ça... Là, vu que c'est que des trucs bleus, les petits détails bleus, je trouve ça dommage, tu vois ici ou là, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu le détail justement aussi en brillant, mais bon, ça après c'est du détail. En ce qui concerne donc l'arrière, tu vois, il est fait exactement pareil, mais on n'a pas exactement, tu vois, la même illustration. On est avec du ciel, mais c'est tout. Mais en même temps, le normal, hein, le manga s'appelle Tombé du ciel. Alors en fait, le vrai titre, c'est Un ange tombé du ciel, apparemment. Et sûrement, Meiyan ont dû décider de raccourcir. Ce que j'ai bien aimé, c'était du coup qu'on était, pardon, avec du bleu ici aussi. Je trouvais ça très très joli. Le seul, alors j'aime bien aussi la façon dont le résumé est mis, même si ça fait très montage d'autres fois, mais en même temps, tu te dis le manga de 2007, donc voilà, ça passe crème. Le seul défaut vraiment que je vais avoir à dire, donc Meiyan, pensez-y, enfin écoutez ce petit avis perso, c'est juste, moi j'aurais rajouté quelque part, là, sûrement dans la zone bleue, terminé en 20 tomes. Parce que comme ça, on sait directement. Et comme c'est pas beaucoup, 20 tomes, ça reste correct, hein, après tout, on va avoir, si je dis pas de bêtises, The Promised Neverland qui est terminé en 20 tomes, par exemple. C'est le dernier titre que je connais qui est à peu près dans ce même nombre de volumes. Donc je me permets, je suis désolée. Mais du coup, 20 tomes, ça reste correct. Surtout si on se rend compte très vite qu'on va avoir 2 tomes par 2 tomes. Très clairement, ça peut aider et pousser à mes yeux à l'achat. Voilà. Moi, personnellement, je vois terminer en 20 tomes. Je cherchais vite fait sur Internet. Comme j'ai vu l'autre jour que le tome 3 et le tome 4 allaient sortir en même temps, je me dis... Ça veut dire que du coup, on va avoir au total 10 sorties. 10 sorties par 2 mois, ça fait 20 mois. Ça fait même pas 2 ans. 12 et 12, 24. Donc je me dis, ça reste correct. Quand tu sais que tu as 20 tomes, mais tu te dis 1 tome tous les 2 mois, ça fait, ça fait 40 mois. Là, tu vois, tu n'as pas trop envie d'acheter. Voilà, ou même de mettre... Je sais pas si je ne l'ai pas vu, hein, l'arrière... d'informations. Non, ce qu'il y avait à l'arrière, juste au niveau des pages. Donc, je tiens juste à le dire comme ça. Hein, mais donc, le seul truc qu'il y a à la fin, c'est donc la pub pour l'autre manga qui est sorti à même date et le coffret Eureka. C'est pas du tout sympa. Je vais voir juste au tome 2 parce que j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas de pub. Ça pourrait être intéressant de noter justement si vous allez sortir tous les tomes par deux, parce que ça pourrait vraiment pousser à l'achat, je le redis. Je sais que c'est une maison d'édition assez récente, donc je me permets aussi de donner un vraiment avis sur les détails comme ça, parce que je veux aussi les aider. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures. Dans l'ensemble, je les ai énormément adorées. Je viens de penser que je ne t'ai pas montré. Mais en fait, qu'on enlève la jaquette, on a la même illustration, mais tout en bleu. Et je trouve ça juste magnifique. Je trouve ça sublime.
Voilà, je surkiffe, je suis, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais honnêtement, je n'ai pas réellement envie de mettre de notes, tout simplement parce que c'est un manga qui date de 2007, et au niveau de la qualité du dessin, on voit très clairement que c'est du 2007. Voilà, on voit que c'est des années 2005, 2007, tout ça. C'est à peu près ce genre de qualité dessin. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé, ça m'a apporté une petite nostalgie par rapport au fait que moi, en fait, quand j'ai, je sais pas si je l'ai déjà, j'ai dit deux, trois fois seulement. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé le manga, je me suis dit, au lieu de m'intéresser aux séries qui étaient d'actualité, je suis d'abord allée m'intéresser aux titres qui étaient déjà terminés, qui m'intéressaient. En fait, je suis allée sur le site comme Manga News, j'ai ouvert les onglets pour voir tout ce qui existait à l'époque. Et en fait, j'ai regardé, j'ai fait ma wishlist de tous les mangas qui pouvaient m'intéresser. Et j'ai tapé d'abord dans les vieilles séries. Et donc du coup, moi ça me fait un petit côté nostalgie parce que ce sont les genres de qualité de dessin, en fait, de manga que j'ai pu lire par exemple au collège. Quand je vois aussi que j'ai lu Devil Devil ou des trucs comme ça, tu vois, c'est le même genre de qualité de dessin très ancienne. Donc voilà. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Donc moi personnellement, ça m'a pas dérangé. Au contraire, ça m'a donné un petit côté de nostalgie de me dire, ah oh, tiens, ça me fait penser aux années, au tout début du collège, enfin au tout début de quand j'ai commencé le manga, au collège, je regardais ce genre de. Enfin, je lisais ce genre de manga assez ancien, etc., qui était plus vieux que ça. Enfin, plus vieux que l'année où j'étais au collège, c'est ça que je veux dire. Et donc, j'ai vraiment adoré. Pour ce qui est du scénario, c'est un shonen, mais c'est le genre de shonen que j'aime bien, avec pas mal d'humour, et où il arrive tout et n'importe quoi, et où les situations sont improbables. Donc, après, il faut pas chercher une logique et se dire. Enfin, tu sais, trouver une logique à chaque action. Là, c'est complètement, c'est pas du what the fuck, mais c'est vraiment de l'humour. Et donc, il y a des situations qui arrivent juste pour faire rire le lecteur. Et c'est plutôt sympa. Après, il faut savoir que moi, j'ai été friand quand j'étais du coup au collège. J'ai été friand de ça. Maintenant, je sais plus trop mon délire et j'ai peut-être parce que à l'époque où j'étais au collège, ça allait à peu près au niveau du mental. Même si j'étais déjà en dépression et automutilation et compagnie, mais ce que je veux dire, c'est que ça allait depuis que j'ai quitté le collège et j'ai fait ma phobie scolaire. Là, je suis allée plus profond au niveau des ténèbres et maintenant, n'en parlons même plus. Donc du coup, à ce moment-là, ça arrivait à me faire rire ce genre de choses, mais plus maintenant. Voilà, donc ça, c'est voilà, au niveau des infos. À savoir, juste un petit truc, c'est que au tout début, ça peut être lourd parce qu'il y a un mec qui nous explique des choses. Ce personnage, j'ai souvent envie de zapper ce qu'il dit tellement que c'est presque indigeste, en fait, très clairement, ou c'est des informations, moi personnellement, que j'ai pas trouvé utile. Donc, je te montre juste avant. Et c'est cette page-là d'explication de machin de ci, de là qui est très barbante à lire. Et après, à partir d'ici aussi. Voilà, c'est deux, trois pages. Mais il y a eu la même chose aussi un peu après. Il y a eu trois fois comme ça des situations où il parle, ce personnage. Et très clairement, c'est un peu barbant. Je trouve. Donc, il faut savoir que je pense très clairement avoir vu la saison 1 il y a quelques années de ça. Mais je m'en rappelle pas trop, donc c'est pour ça que. Donc en ce qui concerne le manga, on va se reprendre maintenant sur le manga. Il faut savoir que donc moi je pense que j'ai vu au moins la saison 1 au niveau de l'anime, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux saisons. J'ai pas trouvé. Alors elle n'est pas disponible sur les trois sites tels que Wakanim, Crunchyroll et ADN. Et moi je connais un autre site que j'utilisais autrefois et je suis allée le voir dessus. Ils n'ont pas non plus les épisodes, donc je n'ai pas pu. Voilà, je peux pas te dire où trouver les épisodes parce que moi-même je ne les ai pas trouvés. Mais en ce qui concerne le manga, j'ai trouvé ça sympa, j'aime bien l'idée de base, j'aime bien le concept, j'aime bien le scénario. Par contre, je ne continuerai pas, tout simplement parce que, comme je te l'ai fait sous-entendre, je ne suis plus du tout ce public qui rigole et qui se marre de ce genre de manga. Je ne dis pas qu'il est mauvais, au contraire, je pense qu'il est très bon, mais que je ne suis plus le public visé. Je m'y attendais un petit peu, mais pas autant. Je pensais quand même que je sais que, comment dire, au lieu que ça soit juste, quand tu lis le scénario, je me dis, ok, ça peut être un coup de cœur. Coup de cœur. Mais là, c'était un. J'adore. Et tu sais, entre, il y a j'adore énormément, tu vois. Et donc, je me disais au moins que ça serait un coup de cœur. Et j'étais sur un j'adore. Et donc, ben, j'ai fait ma lecture, j'ai lu les deux volumes, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que j'aime bien, c'est que vers la fin du tome 2, on va nous faire une révélation
voilà, on va nous sortir un nouveau personnage et oh, bah fin du volume. Donc c'est très intéressant parce que ça nous donne envie du coup de s'intéresser à la suite. Mais personnellement, je vais arrêter là. D'ailleurs, il faut savoir que au moment où je filme, on est lundi 20 juillet. Et que ce matin, donc j'ai fini de lire le manga, et ce matin je l'ai aussi revendu, et je l'ai revendu au youtubeur Erwan Manga. Donc je t'inviterai à aller voir sa chaîne si tu veux avoir un autre avis, parce que je sais que Erwan aime bien aussi ce genre de vieux titres, donc ça peut aussi énormément lui plaire, et je pense que ça lui conviendra peut-être plus facilement qu'à moi. Voilà. J'ai oublié de le noter, donc je préfère quand même te le dire avant de terminer cette partie. En ce qui concerne les personnages, je trouve que le caractère des personnages, des quatre personnages principaux, on voit très clairement leur caractère, on comprend très clairement leur façon de voir. On sait quasiment, du coup, on les connaît déjà très facilement, donc on sait comment va réagir tel ou tel personnage à chaque situation. Ce qui est plutôt pas mal parce que directement, on arrive à savoir comment ils fonctionnent, comment ils réagissent à chaque action, et je trouve ça très intéressant. Et l'histoire en soi est pas mal au niveau du scénario et du développement, mais après je suis que sur 2 tomes sur 20, donc je ne peux pas trop juger sur ça. Je viens de me rendre compte, alors qu'on est quand même sur la fin de la vidéo, je viens de me rendre compte du coup qu'on était tout en bleu aujourd'hui. Voilà, j'ai pas pris de tenue bleue, heureusement j'ai pris du vert parce que j'ai un nouveau t-shirt qui est vert. La vidéo est donc déjà terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, j'espère au moins que je t'aurai fait découvrir du coup un manga que tu ne connaissais peut-être pas. N'hésite pas donc du coup à liker, commenter ou même partager cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé, est-ce que c'est un manga qui pourrait éventuellement t'intéresser ou pas du tout. N'hésite pas donc à aller voir, je te remets le lien de la chaîne de Erwan Manga dans le i et dans la barre d'infos si tu veux aller voir du coup son avis. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye.